Bien, donc moi c'est Alexandra Di Prospero, j'ai 45 ans. Donc en fait, pourquoi je suis partie voir Coralie et Quitalliance? C'est surtout parce que en fait, je recherchais d'autres outils pour améliorer le comportement de mes chevaux, que ce soit des chevaux qui soient faciles et polyvalents, soit pour le club, soit pour l'élevage pour revendre derrière, ou pour mes chevaux de location pour que pour les clients ça marche le mieux possible. Et en fait, donc j'ai rencontré Coralie et son concept il y a déjà quelques années. Et j'avais déjà fait une autre formation éthologique où il y avait des bonnes choses, mais il y a certaines réponses que je ne trouvais pas. Et puis à force d'observer les élèves de Coralie, et j'ai vu aussi Coralie au travail, et du coup ça m'a donné de plus en plus envie, et je me suis dit je peux pas passer à côté de ça et à côté de ces outils. Et du coup c'est là où j'ai dit ok, je franchis le pas et j'attaque la formation. Et j'en suis ravie parce que rien qu'aujourd'hui avec pas toutes les clés en main, mais certaines clés, le travail il est génial en fait. Et j'ai un résultat super sur les chevaux et on a l'impression que ça prend beaucoup plus de temps. Et en fait, au début, on prend un peu de temps, mais après, les choses, elles sont ancrées. Et du coup, c'est facilitateur sur plein de domaines. On a l'impression de travailler sur un point, mais en fait, on travaille sur un spectre beaucoup plus large. Personnellement, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, à mieux me gérer encore, selon les situations qu'on peut rencontrer. En fait, c'est vraiment une formation qui est hyper complémentaire et hyper importante et que je conseillerais vraiment à tous les professionnels parce que c'est des outils que dans un diplôme simple d'encadrement style BP ou n'importe lequel en fait on voit pas et c'est une technique de travail qui est vraiment nouvelle. Donc je m'appelle Céline Auberville, j'ai 34 ans, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite, j'ai deux chevaux à la maison et puis j'ai toujours voulu préparer une reconversion dans les chevaux plus tard sans vraiment savoir exactement ce que je voulais et en fait au fur et à mesure des formations que j'ai fait je commence à monter mon projet et donc j'ai fait un brevet fédéral en équitation éthologique où j'ai déjà bien avancé dans la relation avec les chevaux et puis j'ai découvert Equitalliance qui proposait la même chose, on va dire, mais en renforcement positif. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir une boîte à outils la plus grosse possible. Donc voilà. Ce qui m'a attirée par cette formation, déjà, c'est que je l'ai vue là sur les réseaux sociaux et que ça m'a interrogée. J'ai vu les vidéos, tout ça, et qu'on parle beaucoup de communication animale. D'énergétique et tout ça, donc j'avais besoin de moi de pouvoir essayer de ressentir tout ça. Et voilà, donc c'est une formation très très riche là-dessus, où on prend conscience de peut-être de choses qu'on faisait un peu naturellement, mais ça permet de mettre des mots sur des sensations et restructurer tout ça. Et je pense que grâce à la formation de comportementaliste équin, je vais pouvoir organiser, structurer mes cours différents et amener d'autres notions, d'autres sensations, d'autres connaissances. Et voilà, c'est pour ça que j'ai atterri chez Equitalliance. Déjà, parce que je connaissais Coralie, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait et c'était comme une évidence pour moi de venir ici chercher ce qui me manquait dans mon enseignement. Pouvoir transmettre d'autres choses et puis peut-être participer à des changements. Je suis tombée sur la formation de Coralie. Je suis tombée sur elle simplement sur une annonce sur Facebook où elle est revenue plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi cette formation? Donc je suis allée voir et ça m'a absolument parlé. C'est exactement tous les problèmes que j'ai pu rencontrer moi en tant que gestion, enfin de gérer mon centre équestre et tous les problèmes que j'ai pu rencontrer avec mes chevaux et mes cavaliers. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, et j'ai foncé. J'ai totalement foncé, j'ai pas réfléchi. Et je me suis réorientée dans l'enseignement, retravaillée dans les chevaux, parce que je me rends compte que c'est vraiment mon truc, mais vraiment d'une autre façon, je ne veux plus. Par contre, je sais ce que je ne veux plus faire. Je me suis intéressée à tout ce qui était énergétique, et du coup, en fait, c'était un peu la suite logique, et du coup,
je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, on essaye, on verra bien ce qu'il en sort, et voilà. Cette formation est quelque chose de vraiment complet, ils ont été super généreux dans les conseils, le contenu de la formation. Une équipe de formateurs vraiment extra, adaptée à ce qu'on recherchait. Au-delà du niveau technique, il y a aussi un côté humain qui est très très présent, et j'ai l'impression voilà, de devenir une meilleure personne grâce à cette formation. Pour moi, c'est vraiment une formation qui est dans l'air du temps, travailler plus en conscience, plus en connexion avec nous-mêmes, avec nos chevaux, plus dans le bien-être, plus dans la connexion. Pour moi, la formation, c'était quelque chose d'important dans ma recherche du bien-être des chevaux. Pour moi, c'est vraiment une formation qui est dans l'air du temps, travailler plus en conscience, plus en connexion avec nous-mêmes, avec nos chevaux. Les soins énergétiques, la communication animale, c'est tous des outils qui vont me servir pour la suite. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je suis dans le cheval et c'est vraiment une technique que je connaissais pas. Et... adaptée à ce qu'on recherchait, et qui est dans cette recherche du bien-être animal. Coralie, la fondatrice d'Equit Alliance, elle a vraiment été à l'écoute pour adapter son apprentissage. Ainsi que tous les formateurs qu'on a pu avoir, les intervenants. Puis en fait, cette formation est quelque chose de vraiment complet. Ils ont été super généreux dans les conseils, le contenu de la formation. Au-delà du niveau technique, il y a aussi un côté humain qui est très très présent. Et... Une évolution personnelle. Voilà, une évolution et professionnelle. Pour résumer, ce serait une révolution pour moi. Merci Equit Alliance. Alors personnellement, ça m'a apporté vraiment de la confiance en moi, beaucoup de remises en question sur ce que je voulais faire, l'intérêt de le faire. Professionnellement, ça m'a apporté un vrai métier qui est certifié, ce qui me permet de réaliser mon rêve de travailler avec les chevaux, de pouvoir également avoir une structure dans laquelle j'accompagnerai en fait les cavaliers et les propriétaires avec leurs chevaux, faire des débourrages et de proposer des pensions aussi. Et tout ça, ce sera dans un cadre de renforcement positif, vraiment sans pression, avec la liberté du cheval et qui répondra à tous ses besoins. Et bien, sur le programme, très enrichissant, intense, ça fait beaucoup travailler, intérieurement, mais aussi extérieurement, ça demande beaucoup de travail personnel, d'investissement. Et par rapport aux formatrices, et ben, c'est de la bienveillance, toujours à l'écoute, un encadrement top. Moi, au niveau personnel, ça a été un énorme apprentissage cette année. On a beaucoup travaillé sur nous, appris sur nous, nos forces, nos faiblesses. On est allé énormément investiguer nos points faibles, à travers des moments de doute, de remise en question, grâce aux chevaux, évidemment. Donc ça a été une année très 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 riche et on en ressort vraiment grandi et fier et avec des liens d'amitié très forts. Personnellement, la formation m'a apporté vraiment beaucoup d'évolution, beaucoup d'apprentissage sur moi, sur les chevaux, mais vraiment énormément sur moi. Aussi sur le relationnel, enfin vraiment sur un tas de choses qu'on ne peut pas imaginer. Ça va vraiment au-delà d'une méthode, c'est vraiment une formation qui est très très humaine et qui va au-delà d'un apprentissage classique. On va aller vraiment chercher et creuser à l'intérieur de nous pour aller vraiment chercher ce qui peut nous empêcher d'avancer ou ce qui va nous aider à avancer. C'est vraiment génial. Et ce qui est vraiment la force de cette formation, c'est l'alliance entre l'énergétique et la technique, donc la qualité de présence, la qualité énergétique, le lien, la connexion et la partie plus technique avec le renforcement positif, le clicker, qui est quelque chose d'assez nouveau dans le monde du cheval quand même, mais qui est beaucoup plus respectueux du consentement du cheval, de ses envies, ses appétences. On leur apprend à dire non aussi, et c'est aussi respecter que d'écouter lorsqu'ils nous disent non. Et du coup, c'est une force de la formation d'allier ces deux aspects-là. Et on voit vraiment des résultats très flagrants sur tout ce qu'on a pu faire au cours de l'année. Oui, et je dirais même que c'est le milieu entre l'éthologie, qui est une science, et l'énergétique, qui paraît subjectif, mais en fait, qui est complètement naturel quand on se connecte aux chevaux.
Et c'est super intéressant en fait d'avoir trouvé quelque chose qui trouve parfaitement sa place entre ces deux choses qui paraissent complètement opposées, mais en fait qui se complémentent et qui rendent une méthode qui peut s'adapter au cheval, s'adapter au cavalier et tout en respectant l'animal. Personnellement, elle m'a fait beaucoup de bien, physiquement et mentalement. J'ai des gros problèmes de cervicales, les soins énergétiques, les retours à soi, les ancrages. Tout ça m'a permis d'aller beaucoup mieux et de prendre beaucoup de recul sur les choses au niveau psychologique et du coup de voir l'avenir différent. Trop bien. La formation, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur les chevaux, sur l'éthologie des chevaux. Et aussi du coup en pratique tout ce qui était clicker training. J'en faisais déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que là du coup ça nous a vraiment apporté les bases et des connaissances qui sont vraiment utiles et nécessaires au travail du cheval et pour travailler aussi du coup avec un cheval qui est dans une bonne émotion. Et personnellement du coup ça m'a beaucoup apporté notamment pour gérer mes émotions, savoir me calmer et ne pas me laisser dépasser par mes sentiments, mon stress, tout ça. Alors pour moi, il faut être vraiment prêt à s'investir parce que c'est une formation qui demande beaucoup de remise en question donc sur nous-mêmes, donc c'est beaucoup de développement personnel et ouais, beaucoup de temps à travailler entre les sessions. Par contre, franchement, c'est vraiment du bonheur. Alors moi, je te rejoins. Je pense pareil. Beaucoup de remises en question, c'est sûr, mais c'est pour aller que vers du mieux et que vers du positif. Ça nous ouvre un monde de solutions et ça nous permet de nous épanouir au maximum. Pour moi, la formation, professionnellement, elle m'a apporté beaucoup de connaissances sur les chevaux. Les soins énergétiques m'ont beaucoup aidé. Ça m'a fait une autre vision du cheval. Et personnellement, je suis beaucoup plus épanouie, plus calme et j'ai beaucoup plus confiance en moi. On peut hésiter parce que c'est vraiment beaucoup d'investissement, que ce soit personnel, financier. Mais ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup parce qu'on sort grandi. C'est vraiment une expérience à vivre. Professionnellement, beaucoup de nouveaux outils pour régler les problématiques avec les chevaux et un nouveau regard quand même sur les chevaux. Oui, alors professionnellement, pareil, plein de nouveaux outils et surtout de structurer, de savoir vraiment comment je peux pratiquer et vers où je vais aller. Pour ma part, professionnellement, ça a apporté un outil en plus à ce que je veux faire en tant que massothérapeute. Et personnellement, un nouveau regard sur les chevaux, une nouvelle façon de faire et de la gestion d'émotions.